vient avec nous, qui est une entière ville de sa prestation. Elle vient de nous interpréter Yanvalou. Les juges vous conseillent. Félicitations pour ta prestation. Tenue, bravo. Ça correspond avec la chanson. Tu as une très belle voix. Mais à un moment, tu n'as pas vraiment gardé le rythme. Et puis, certains gestes ne correspondaient pas. Mais c'est pas pour dire que tout, non, tu es certain. Et puis, essaie de prendre le chant à ton niveau parce que j'ai remarqué que quand tu prenais trop haut, ça te posait quelques petits problèmes à reprendre. Donc, j'espère que tu pourras prendre un peu plus bas parce que je vois que tu chantes pas. Ok? Et puis, fais beaucoup plus d'efforts pour travailler la voix. 775. Faire attention quand tu bouges, de bien gérer le micro. Aussi, ok? Et aussi, comme l'a souligné Joanne, il faut prendre la chanson à ton niveau. L'air où t'es monté, hein, quand t'es gentil, détonné. Donc, si tu prends ça à ton niveau, je pense que ça ira mieux et tu as une belle voix. Et je pense aussi que tu t'es donné un grand défi en choisissant cette chanson, qui a beaucoup de variations. Et je te conseille de prendre quelque chose de plus facile, parce que ta voix peut vraiment plaire. Okay? Je t'encourage à aller travailler en plus avec cette séquence. L'hiver et le printemps, elle attend.
portait quelques mots au creux de son aile. La Paloma, adieu, adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'aie pas trop de peine. Mon amour, adieu. La Paloma, adieu, adieu, c'est toi que j'aime. Ma vie s'en va, mais n'aie pas trop de peine. Mon amour, adieu. Il nous avait chanté La Paloma revient et Beate Frances Linda Gentil nous a chanté La Paloma adieu. À vous les juges. Merci Linda pour ta prestation. Ok. Je pense que c'était pas assez convaincant ta prestation. Tu t'es laissé distraite pour tout ce qui se faisait autour de toi. Ok? Et tout ça, tu n'as pas géré ta voix. Il ne faut pas te laisser distraire par ce qui se fait. Au contraire, tu dois essayer de capter leur attention, pas d'être capté par ce qu'ils font. Tu vois? Et aussi, tu mérites de travailler plus la voix pour mieux faire la prochaine fois. Merci pour ta prestation, mais quand vient le souligner, parce que au commencement, tu n'as pas contrôlé ton micro, c'est comme si tu ne chantais pas. Tu es venu en masse pour pouvoir chercher les juges pour avoir une note, pas vrai? Donc, c'est pas ça que tu as fait. C'est comme si tu étais pas. Tu ne donnais rien pour toi, donc ça m'a coûté pour ton micro, ta voix était faible, je n'entendais presque pas ce que tu disais dans ton texte, et puis expression et gestes, au commencement tu as commencé à faire quelques gestes, mais après tu as laissé tomber, c'est comme si ça n'était plus, donc tu manques de chaleur, de charme, donc c'est à travailler, faire beaucoup plus de voix pour que la prochaine fois tu seras meilleur. Je donne un 6. Merci. Tu as eu beaucoup d'hésitation. Tu étais très distraite. Il y a eu un problème d'articulation, de prononciation. Il n'y avait pas de charme. C'est comme si tu avais peur de faire quelque chose. Je sais pas si c'est le public. Si c'est le public, de toute façon, tu vas travailler ça et tu dois gérer ça. Parce que tu es dans un concours, le but du concours, c'est de gagner. Ah ouais? Tu es venu de gagner. Et si tu es venu de gagner un concours, tu n'es pas supposé avoir peur. Ni de tes postulants, ni du public. Tu dois les convaincre. Donc je pense que tu dois travailler ça. Et je compte te voir la prochaine fois. Je ne vais pas avoir de timidité sur ton visage. Je te donne 6,25. À présent, on appelle Carlene Dudley Joffre pour sa prestation. Comment vas-tu? Ça va, il y a mes sandales, toi. Ça va? Alors, je te présente Dudley Fidel. L'année dernière, tu n'étais pas là et c'est Dudley qui nous a apporté la bicyclette. C'est lui qui nous a appris à pédaler? Bien sûr. Dudley, qu'est-ce que tu vas nous offrir cette année? Une chance pour Timounio. Dudley va chanter pour nous une chance pour Timounio. On applaudit. Dans ce monde, où tout ne fait que passer, si il fallait la survie d'une autre race, je voudrais suivre les enfants.